Oui, que des choses intelligentes. Hein? Intelligentes. Voilà, mais est-ce qu'on a le droit de le toucher? On a le droit de toucher. Non, on n'a pas le droit, tu sais pourquoi? Ouais. Parce que c'est à moi. Il n'y a que la maîtresse qui a le droit d'y toucher. Tiens, maîtresse, je te le prête. Merci. Voilà, c'est un objet pour les adultes. Mais je me demande bien ce que c'est que ça. Non, regarde bien. Un tablier. Un tablier de... pour faire de la cuisine. Oui. Et qui est-ce qui avait un tablier pour faire la cuisine? Dans notre histoire. Mamie. Ah oui, et comment dans l'histoire elle s'appelle pas mamie? Comment elle s'appelle? Ça me va la bien. La grand-mère. Elle s'appelle la grand-mère. Et nous, on va raconter l'histoire. Parce que qui est-ce qui n'a pas entendu l'histoire de la grand-mère, du moi, grand-père? Moi. Mais si tu étais là. Allez, on va la raconter encore. Moi, un jour, grand-père, et je vais aller me mettre là-bas parce que j'ai pas assez de place, je vais tourner juste. Aïe. Tu te tournes. Un jour, grand-père, là, je suis pas déguisée en grand-père, évidemment, hein, j'ai une jupe. Tu as t'habillé. Promets-toi. J'ai même maquillé mes yeux. C'est rare, hein. J'ai des bracelets partout, je suis plutôt déguisée en quoi? En grand-père ou en grand-mère? Grand-mère! Ah, tu surveilles bien le sac, hein? On ne sait jamais des fois qu'il y a des autres histoires. Vous savez, des histoires, des drôles d'histoires qui sortent du sac, comme c'est mon sac à histoire. Un jour, grand-père fouille dans sa poche. Voilà. Tout au fond, c'était une grande poche. Et qu'est-ce qu'il trouve? Un objet. Il s'en souvient bien. Il se dit, oh, une graine, je me demande ce que c'est comme graine. Je vais aller la semer. Alors, grand-père met ses bottes en caoutchouc, met son chapeau de paille sur la tête, et il prend son arrosoir, il met ses bottes là, il va dans le jardin. Raphaël, assieds-toi sur tes fesses. Non, assieds. Il attend. Il attend un jour. Il attend deux jours. Trois jours. Quatre jours. Cinq jours. Six jours. Sept jours. Une semaine entière. Et tout à coup, il s'aperçoit qu'une toute petite tige était sortie de terre. Et deux jolies petites feuilles. Et il se dit, oh, c'est un rutabaga, il est en train de pousser. Je vais bien faire attention que les escargots ne viennent pas le dévorer. Et aussi les limaces. Et les limaces, c'est encore pire que les escargots. Oh, en plus, on en a vu avec Sarah. Vous avez vu les limaces? Ben oui, on en a vu un. Ben moi, j'ai vu. Un autre jour. Pour le moment, grand-père, il ne voulait pas d'escargot. Ah ouais, mais on ne va jamais pouvoir finir l'histoire. Si on parle des histoires d'escargot, si on mélange toutes les histoires, on y arrive. Et le rutabaga, tous les jours, il poussait un peu plus. La tige grandissait, il y avait de plus en plus de feuilles. Le printemps passa, et puis après le printemps, l'été, et après l'été, l'automne. Non mais toi, c'est vraiment... Ça va pas du tout, donc puisque t'as envie de faire ton malin, comme la dernière fois, tu sais c'est quoi? C'est ici. Tu vas faire ici, et tu vas attendre ici. Comme ça, t'embêteras pas les autres. Parce que moi, ça commence à faire. De toute façon, je t'ai expliqué la dernière fois que c'est pas la peine de faire ton cirque et ton grand sourire. Là, c'est pas moi qui t'embête, c'est tous les autres.
Tu peux très bien écouter depuis là et en plus tu les embêtes pas. Il a envie qu'on le regarde. On va le mettre là. Hein? Ah, tourne-toi. Donc, notre table à grandissait. Et après l'été, qui est-ce qu'il y a? L'automne, ça tombe bien. Nous sommes en automne. Et le retabada, il était devenu tellement grand. Il avait tellement de tuyaux. Il était plus grand que moi. Heureusement, grand-père était encore plus grand que moi. Et il se dit, grand-père, ah, mon rutabaga est mûr. Je vais aller l'arracher et je vais demander à grand-mère, qui est dans sa cuisine en train de faire des gâteaux, de faire de la soupe au rutabaga. Alors, grand-père alla au jardin. Il retroussa bien ses manches. Il empoigna les feuilles de rutabaga et il se mit à tirer. Oh, lisse! Oh, lisse! Oh, lisse! Mais, ah non, que trop fort. Non, ça suffit. Mais le grand, le gros, l'énorme rutabaga ne bye.
garçon, il appela le chien. Non, ce la fille. La fille. Oui, tu viens faire la fille. Allez, appelle la fille. La fille. Viens nous aider. Qu'est-ce qu'elle faisait la fille? Je ne me rappelle plus. Elle faisait du roller. C'est vrai, elle faisait du roller. Allez, enlève tes rollers et viens nous aider. Fais semblant d'enlever tes rollers. Non, tu ne s'en fais rien. Prends une chaise, viens nous aider. Avec tes rollers. À chaque fois, maintenant, on a compris, hein. La fille empoigna le garçon par la tête. Le garçon empoigna grand-mère. Grand-mère empoigna grand-père. Et tous les quatre, ils se mirent à tirer. Te dire non. J'ai pas dit qu'on fabriquait du bruit, j'ai dit qu'on fabriquait du silence. Et normalement, quand on fabrique du silence, on n'entend rien du tout. Comme ça, on fabrique le silence. Des fois, comme ça. Tu t'assieds sur une chaise à côté du chien, le chat.
C'est lui qui fait le chat. Eh ben, tant pis pour toi, la prochaine fois. Attends une seconde. Le chat prit la queue du chien dans sa jupe. Le chien prit la jupe de grand-mère dans sa jupe. Tu écoutes la dame. De grand-mère, mais je me trompe, vous écoutez rien du tout. C'est pas grand-mère qui est à côté du chien qui sait. Mais oui, c'est toi la grand-mère. Vous me laissez dire n'importe quoi. On recommence. Le chat prit la queue du chien dans sa jupe. Le chien prit la jupe. De la petite fille, bien sûr, sa gueule. La petite fille empoigna le garçon. Le garçon empoigna grand-mère. Grand-mère empoigna grand-père. Et tous les six, ils se mirent à tirer au... Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un chien. Comment il s'appelle ce petit garçon déjà? Maxime. Attends, quand on appellera la souris, d'accord? Moi les souris.